Hey, yap, tout le monde les gars, c'est Dada. Comment allez-vous? Moi ça va juste super bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un jeu un peu particulier, un jeu que j'espère que vous allez aimer, The Vanishing of Ethan Carter. Voilà, c'est le nom avec l'anglais, avec l'accent anglais, pardon. Donc voilà, ça va être un jeu normalement entre guillemets recherche épouvante horreur, vu que vous m'aviez demandé de faire un jeu d'horreur, mais je suis pas trop fan, donc j'essaie de trouver un truc qui pouvait me plaire. Je sais pas du tout si vous, ça va vous plaire. En tout cas, vraiment, je vais attendre comme d'hab vos retours, hein, parce que c'est encore une nouvelle fois une nouvelle série, donc j'attendrai vos retours, bien évidemment. C'est un jeu qui est en Ethan anglais, les Carter, gars, I didn't avec know. sous-titré français I normalement. knew who I was. When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. Ah merde. You call on me. If you're a kid like Ethan, you're right. Plenty do. Ethan's letter started out just like any other fan mail. But soon there were mentions of things no little boy should know about. There are places that exist that very few people can see. Ethan could have drawn a map. I hadn't entered Red Creek Valley yet, but already I could feel its darkness reaching out for me. Finding Ethan Carter wasn't going to be as easy as knocking on his door. I was too late for that. To find Ethan. Voilà, nickel. Nickel. Donc oui, j'ai pas parlé des gars, c'est normal. Je vous laissais la cinématique. Donc voilà, ils nous mettent dans l'ambiance I had to directe. figure out what this place was Je vais trying to découvrir le hide from secret me. que ces lieux renfermaient. Donc j'espère que le départ ne va pas vous déranger. Je ne pouvais pas changer à ce moment-là. Je suis pas dans main, les gars. Donc je suis pas clavier souris. Je suis vraiment pas dans main. Qu'est-ce que c'est que ça? 380, j'ai 393. Très bien. J'aime pas du tout l'ambiance. Oh, je suis vraiment pas à l'aise. Vous devez l'entendre, c'est vraiment un son qui fait. Oh! Mon Dieu! Je viens de faire une mini crise cardiaque. Je sens que je suis en train de partir, les gars. Piège. Ah ouais, je confirme, c'est un piège, ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas du tout ce que c'est. Maintenir pied, ok. Je maintiens, mais ça fait quoi? Je ne peux rien bouger d'autre, très bien. Un petit tuto, j'aurais pas dit non, les guys, hein, juste comme ça. J'ai failli crever. Au bout d'une minute trente, j'ai déjà failli crever. Ça annonce. ça annonce du gros jeu, du beau jeu. Mon Dieu, qu'il est beau. Mon Dieu, qu'il est bien fait. J'aime pas trop ça. On se dit que j'ai pas spécialement. Putain. Les gars, j'ai le son qui est bien fort. Ça fait flipper. Je suis clairement en train de flipper. Et donc on a découvert deux pièges, très bien. Mon cœur est en train de s'emballer, très clairement. Je vais mourir. Je vais pas tarder à mourir. Putain, je suis tellement barré dans l'ambiance que. Oh putain! Ah, mais piège à la con! Ça va, calmez-vous les gars, calmez-vous! C'est rien, on a l'habitude. Comment c'est. Oh! Vous avez vu qu'il y a une image qui est en train de se créer avec notre intuition du coup? Il doit rester un dernier piège à la con. Bien sûr, qui sera pas du tout là où on va s'attendre à ce qu'il soit. Oh, ça c'est de la belle phrase. Mon avis va être par là. Je pense. Je peux courir, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ouais. Ok, mais y a pas de limite au décor ou ça se passe comment? Dieu. En tout cas, franchement, vous regardez, c'est plutôt bien fait. Belle image, je crois que le dernier piège, voilà, le dernier piège est juste là. Celui-là, je l'ai. Voilà. Celui-là, je l'avais vu. Celui-là m'a même pas fait flipper, vous savez quoi? Franchement, celui-là était ridicule. Et là, normalement, ça doit nous faire une image complète. Non, il nous manque encore quelque chose, très bien. Il doit traîner encore un dernier piège, sans doute. C'est pas là, on va essayer de découvrir ça, les guys. Soit un chemin. Un chemin dans la forêt qui fait un peu peur. Soit la raille. Il fait pas spécialement peur, mais je sais pas. Il y a un truc où j'ai un manque de confiance. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un gros manque de confiance. Là, c'est. Non, c'est pas un piège, ça. C'est juste un bout de bois. Très bien.
J'ai cru que non, j'ai cru que j'avais vu quelqu'un au fond, mais en fait pas du tout, pas du tout. C'était une branche, c'était une grosse branche. Bridge closed, do not enter. Donc pont fermé, ne pas entrer. Et vu que nous on comprend pas très bien, on a pas réussi à lire. Seemed like a quiet, ordinary place. Très bien. Donc il nous reste encore un truc à trouver par là, à mon avis. No place is truly quiet, and nowhere is really ordinary. Ouais, ça je confirme. Warn me about that. Warn me not to be fooled by what I saw here. He didn't me fier à ce que je pouvais voir. I'd worked dozens of cases, hundreds. This would be my last one. Ok, donc ils nous racontent un peu leur vie en même temps. C'est compliqué d'essayer de lire, d'essayer de suivre. Oh putain. D'essayer de suivre et en même temps de pas se faire surprendre, de pas flipper, de pas mourir. C'est assez compliqué. Il nous reste du coup l'autre côté de la forêt qu'on n'avait pas fait, que je pensais faire plus tard. Mais vu que du coup là on va changer de décor, je vais le faire de suite. On va aller check ça ensemble. Un chemin comme ça fait toujours flipper. J'ai jamais confiance. Ah, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir trop de pièges. Ah, voilà. Donc, en fait, là, à partir d'ici, je crois qu'on... Voilà, on peut plus descendre. Donc, c'est un mur invisible. Très bien. Au moins, ça délimite un peu la zone parce que sinon, on s'arrête jamais, quoi. On cherche pendant des heures. Il nous manque un piège, les gars. Il manque un piège, un seul. Où est-ce qu'il est? Je ne sais pas du tout. J'ai pas trop regardé les arbres parce que c'est vrai que tout à l'heure, il y avait un truc qui était... Non, ça va, c'est rien, c'est juste le vent. Putain, j'ai un peu paniqué, j'avoue. Celui-là, on avait vu. Ça, c'est bon. Bah, vous savez qu'on va avancer. Tant pis, il manque un piège, c'est dommage. À mon avis, il doit y avoir. Il faut trouver tous les pièges, je pense. Pour voir une espèce d'image, une connerie comme ça. Qu'en intuition, là, on en avait trouvé presque tous. Je pense, hein, ça se trouve, je dis complètement des conneries. Je ne sais pas, je découvre le jeu en même temps que vous. Il est vraiment très beau. Oh, vous avez vu jusqu'au barrage et tout, les reflets dans l'eau sont plutôt pas mal faits. On a un vrai mouvement dans l'océan, enfin du fleuve en tout cas. C'est plutôt sympa. Oui, j'essaye de parler d'autre chose comme ça, ça va. Je reste pas dans l'ambiance du jeu. Tout à l'heure, je vais tomber, je vais devoir me raccrocher, ça va être un truc qui fait flipper. Non, ça va. Ça. Oh, putain, il y a même le pont fait du bruit. Même. Ouais, voilà, je suis vraiment pas le mec qui est habitué à ces jeux-là, les gars. Donc, j'espère que vous allez kiffer. J'espère que, ouais, que ça va vous plaire un minimum. J'espère ne pas faire de crise cardiaque en cours, sinon vous ne verrez jamais cette vidéo. Hein, ça pue, ça. Je sens pas, là, le vieux wagon, le vieux truc qui traîne. Ah oui, les épisodes vont durer à peu près 25-30 minutes, comme d'hab. J'espère que niveau son, ça sera bien. J'ai pas pu faire tous les réglages, donc j'espère que ça sera bien. Hein, ça vous commencez à connaître. Ok, très bien. Je vais par où? Ok, s'accroupir. Bon, on va aller par là. Je le sens pas, mais c'est pas grave. J'ai entendu un bruit, les gars. Je vous jure. Le mec le plus paniqué du monde. En plus, voilà, le jeu vous met vraiment dans l'ambiance avec la musique, les effets sonores du décor sont plutôt sympas. Je regarde un peu partout, voir si je vois pas des trucs qui... Un petit coup de lagouillage. Examiner, ouais. Lien coupé. D'accord. Dénouer, nouer. D'accord. Pas de sang? Non, faut croire. Du coup, la corde, je peux pas la prendre. Il n'y a pas de sang. Je check un peu les touches, voir s'il n'y a pas quelque chose que j'ai loupé vu que je suis passé à la manette. Ah, le sang est juste après. C'est flippant. C'est réellement flippant. C'est une jambe, ça. Il me semble que... Ah ouais, il me semble que c'est des restes, ouais. Je suis pas con, vraiment pas con. Jambe coupée, il a rampé. Oh mon dieu, le pauvre. Du coup, il a été par là. On suit ses traces, les gars. Attendez, il y a une petite affiche là. Une petite... C'est quoi? Under construction. Ok. Ah, voilà. Ça, c'est le reste du corps qui est là-bas. Du sang de quoi? Des jambes? Du sang de quoi? J'ai pas... Fracture du crâne. Cause du décès, hémorragie, traumatisme crânien.
D'accord. Dérangé par quelqu'un, rangé. Ah bah c'est pas mal hein. En fait ça nous explique un peu tout quoi. C'est franchement sympa. C'est vraiment par rapport où je me trouve en fait, vous voyez. Je peux toucher mais c'est vraiment par rapport où je me trouve. Bon, d'origine vous faites ça à la souris, là je fais ça à la manette. Hein. Ouais donc y a pas grand chose à voir dessus. Très bien, donc là on peut y aller. Il y avait pas grand chose. En tout cas le mec a été dérangé ou je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas il a pas pu finir ce qu'il faisait. C'est beau, c'est beau. Alors il y a le Loch Ness qui va sortir au calme. On va avoir un grand coup, une tête et une grosse main bouger. Ça va être tranquillou. J'espère hein, que les premières phrases ne vont. Enfin les premières phrases en anglais vont pas vous déranger les potes, c'est juste que j'avais oublié de le régler. Je pensais l'avoir fait mais en fait non je vais. Faut croire que ça avait pas marché. Oh, merde, je peux aller dans l'eau. J'aime pas trop ça. J'avoue que je suis pas spécialement fan d'aller dans l'eau. Genre je peux aller loin dans l'eau. Ah non, il y a un mur. Ok. Ouais. On visite les gars, on visite, on sait jamais, ça se trouve on peut trouver un truc. Ça se trouve pas du tout. Là en fait c'était pas du tout. On peut juste continuer tout droit. Après le cadavre. Le cadavre. Après le cadavre, on peut continuer tout droit. C'était l'éboulement. J'aime pas du tout les sons qu'il y a dans mon oreille. Je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Ok, je peux pas ouvrir, très bien. Non mais je regarde partout. On sait jamais. Ça se trouve le mec est caché. On sait jamais, je préfère regarder. Même les bûches de bois, on sait jamais les gars. Putain, vous entendez ce. La musique là qui commence à changer. Ça sent pas bon. Ça sent très clairement pas bon. Ok, une ancienne gare. Plein milieu comme ça. Ah, d'accord, ouais, je pense que j'étais bloqué. On va continuer tout droit. Je sais pas du tout si c'est ce qu'il faut faire. En tout cas, on va tester ça comme ça, les gars. On verra. Ok, un générateur électrique. No trains have been through here for a long time. Faisait partie. That was part of a pattern. Ok. Large pieces of this country were thrown away, doomed to become and then remain the worst versions of themselves. Beneath all that rot. Toutes ces pourritures poussent. Il y a de plus en... Ouais, c'est vrai. Il a raison. Je sens que je vais pas tarder à mourir. Attends, ouais. Je joue un petit passage, moi je teste. C'est jamais le truc à faire en plus dans ces jeux-là, mais c'est pas grave. Une petite maison à droite. On va aller voir ça. Oh, je suis sûr on peut pas rentrer. Mais il est vraiment très très beau. Hein. Graphiquement, il envoie du pâté le jeu. Même si c'est pas un jeu d'origine, vous regardez les graphismes avant tout, mais. En vois-tu pâté? Merde, je sais pas. Soit je m'enfonce là-dedans. C'est vraiment pas parce que. Soit on part par là. Bon. On va tester, les gars. On va essayer d'être courageux 5 minutes. On va tester. Oui, vous pouvez regarder. Je regarde partout. Je fais que de tourner la caméra. On sait jamais. Ok, sympa. Pour l'instant, ça va. Y a rien de trop flippant. Ça se trouve, je passe complètement à côté de plein de trucs depuis tout à l'heure. Hein. C'est possible, les guys. Mais ouais, je connais pas du tout le jeu. J'ai pas regardé de vidéo dessus. Juste, je le trouvais super sympa. Et du coup, je me suis dit, voilà, autant le commencer avec vous. Au moins, bon, les vraies surprises et la musique. La musique, franchement, elle vous met dans l'ambiance. Par contre, vous y restez, quoi. Vous paniquez H24. Mais d'origine, ouais, c'est un jeu qui est entre guillemets épouvante, horreur, mais pas au max. C'est-à-dire qu'il n'est pas basé spécialement pour ça. Vous avez quand même une histoire, un truc sympa autour, quoi. Oh là là. Je sais que je me répète, mais c'est vraiment beau. Il est vraiment très sympa. Hein. Je sais pas du tout si c'est celle-là qu'il faut aller ou pas.
Ah bah y'a... Putain, la maison à gauche fait flipper, on croit les vieux manoirs hantés là. Oh, les vieux manoirs bien dégueulasses. On y va. Option. D'accord. Je regardais si en fait je pouvais pas directement. Si je pouvais pas sauvegarder. Par contre, je vais juste faire ça. Parce que j'ai l'impression, en fait, des fois que j'ai quelques lagouillages. Donc j'espère pour vous que vous allez pas en avoir. Mais du coup, je vais baisser un peu la qualité. Voilà, je vais mettre en. On va juste mettre ça en moyen. Voilà. Non, excusez-moi. J'ai raté. Oh. Hop. Appliqué. Nickel. J'ai un gros PC, mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je. Des fois ça lagouille, vous voyez, quand je tourne comme ça, j'ai l'impression que c'est pas super fluide. Waouh! Waouh! J'espère juste un truc, c'est que je vais pas rentrer là-dedans. Je crois que si j'y rentre, j'en ressors pas. On est. Un passage pour aller derrière, on va aller voir ça. Je viens de voir en fait, je trouve que c'est peut-être un peu sombre pour vous, je ne sais pas. Je vais essayer de faire quelques réglages les gars, puis je reprendrai juste après. Et re les guys, donc réglage, voilà, réglage fait, bien en plein milieu de la vidéo, je m'en excuse. J'ai éclairci un peu pour vous parce que, pour moi en tout cas sur mon écran, c'était très propre, très bien. Mais je... J'avoue que sur la vidéo, parce que j'ai OBS qui est à côté, et j'avoue que quand je regardais, je trouvais ça peut-être un peu sombre pour vous. Vous me direz si c'est mieux comme ça ou si vous préférez avant. Merde, je crois qu'il faut que je rentre. Oh, je suis pas fan. Voilà, très bien. Très bien. Très bien. Juste, on a un message qui est tout en haut. Là. Mon dieu. Ah, ça fait flipper. Putain, il y a une vieille aura bleue qui apparaît comme ça. Tu sais pas c'est quoi. Tu sais pas qu'est-ce qu'elle veut. J'essaie de monter à l'étage. On va aller regarder après, les gars. D'accord, donc il y a une aura bleue ici aussi. Très bien. A mon avis, c'est les souvenirs ou une connerie comme ça. Par contre, ils avaient juste une vue magnifique. Oh, on se le dit comme ça. Les mecs avaient les moyens. D'accord. Bien. Je change de décor au calme, y a pas de problème. Ça pète, putain, ça claque. Franchement, c'est beau gosse. Tu sais pas où tu vas, mais c'est beau gosse. Et du coup, on est revenu au départ, quoi. Ouais. À mon avis, il y a un truc à faire avec la lettre, mais elle est pas traduite et voilà, je parle un peu anglais, mais je ne suis pas non plus. Non, très bien, je suis revenu là, très bien. On n'avait pas vu la salle encore. Le livre là, on peut rien faire, c'est dommage. Ça se trouve, il y a peut-être des indices dedans, peut-être pas, mais peut-être pas tout simplement. Très bien, je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas si c'était bien ou pas, j'ai pas tout suivi, tout compris. En tout cas, je l'ai fait. On descend. Ah oui, on descend par là, on fait le tour. Nickel. Il va y avoir l'autre maison aussi comme ça à faire sans doute. Ça pue. Ça pue d'air. Ah mon dieu que ça pue. Je sais que Poider ne veut pas dire puer, hein, vous inquiétez pas. Ok, bon, on va passer par devant directement. On sait qu'on va rentrer dedans, donc. Ah,
non, ça va. Vieux robinet, ok, ça sert à rien, très bien. Ah, c'est nickel! Le? Mais c'est pas le. Ah, du coup, c'était le. Je sais pas si vous comprenez, les gars, mais en fait, quand on était dans l'autre maison, on a réussi à venir ici. Regardez. C'est exactement les décors qu'on avait dans l'autre maison. What did you do? What did you wake up? Nothing. I found a room, I walked into it, that's it. Oh mon dieu, l'ambiance stressante. C'est ouf. You can feel it, right? Quelque chose qui vient de la maison. Ouais, donc c'est ce que je vous dis. Déranger le dormeur. Moi, il dormira plus. Comme ça, c'est fait. Mais il faut que je visite toutes les pièces, ça va me raconter des trucs à chaque fois. He was poking around in the old Vandergriff house again. Said he found some secret room. Pièce secrète. Really? Okay, I will go talk to him. Ça aurait pu être. Eh, regardez, il y a une pièce derrière. Je sais pas comment on y va, mais il y a une pièce derrière. On va monter en haut. On va voir s'il y a pas quelque chose. Pour l'instant, je suis en stress. On va se laver en entre nous, les guys. Je suis une putain de stress. N'arrête pas de parler de cette chose, Dormer. I know. What I don't know is if it's real or not. Oh mon dieu. Franchement, ça rassure pas trop. Là, c'est le vieux grenier dégueulasse. Et encore une pièce à gauche. Je regarde par là s'il n'y a pas quelque chose par terre ou quoi. Oh, il y a des bruits. Je sens que c'est la vieille baraque qui va tomber en ruine, quoi. It's not my fault. Je voulais pas que tout. I didn't mean for any of this to happen. Ça devait être la pièce à Ethan, à mon avis. Très bien. Bon, bah, il n'y avait pas grand chose à ce grenier. On va tout simplement retourner en arrière, hein, les amis. Je regarde. Non, il me semble que j'ai tout fouillé. On va sortir. On va sortir de cette baraque qui fait bien flipper. Ah non, ça, j'ai pas fait ça. Oh merde. Travis, leave the boy alone. Laisse le petit tranquille. I see how you've been looking at him. You don't even know, do you? You have no idea what's going on. Non, vraiment, non, je sais pas du tout ce qui se passe, non. Ça me rassure pas. Hein, je dois te l'avouer, ça me rassure pas trop. You have to help us. It's the only way. It wants Ethan. You're crazy. You've all gone crazy. Vous êtes fous, vous êtes tous devenus fous. Ethan's family blamed him. Whatever it was he'd accidentally let loose. His family was convinced that hurting him would solve their problems, would soothe their disturbed minds. Ouais. Whatever haunted the Carters was still here somewhere. Que part dans l'atmosphère. Très bien, très bien. Et eh ben, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus pour le premier épisode, les potes. On est bien rentré dans l'ambiance, putain. J'ai flippé, je vous l'avoue, j'ai flippé. J'espère que ça vous plaira. J'espère vraiment que ça vous plaît parce que vous m'en aviez demandé un peu un jeu dans ce genre-là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, j'attendrai vos retours avec impatience si je puis me permettre. Et en tout cas, voilà, ça sera tout pour moi les gars. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à pouce bleu et à commenter, à tout ce que vous voulez. Moi, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!